Ah que coucou, bien le bonjour, tout le monde, c'est moi Néo. Faut que je remette ma vidéo correctement, ma vue correctement, voilà. Ah que coucou, bien le bonjour tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve, c'est bon, tout va bien, tout tourne, c'est bon. Pour l'épisode numéro 14 de l'aventure continue saison 2, allez rack mesdames et messieurs. Pourquoi suis-je dans l'eau en pleine nuit? Tout simplement pour ça, voilà, j'ai été récolter un peu de blé, je me suis fait un champ de l'autre côté de la... De l'autre côté du lac. Et du coup, je rentrais chez moi et je me suis dit, tiens, on va lancer l'épisode comme ça. Normalement, tout est bon. Tout est bon. Ça... Ouh, une petite flèche qui me passe à côté. Je regarde l'heure. Ok, très bien. Dans cet épisode, qu'allons-nous faire? Nous allons continuer un petit peu notre petite charrette. Oui. Nous allons continuer notre petite charrette suivant le blé qu'on aura. Est-ce qu'on en aura assez ou pas? On verra bien. On verra bien suivant le foin. On voit notre petit tracteur. Si on arrive à recouvrir tous les bords, plus au-dessus pour faire déborder un petit peu. Et ensuite, nous irons dans le Nether. Nous irons dans le Nether. J'ai les coordonnées sous les yeux qu'on m'a laissées dans les commentaires. Donc, je suppose que je croise les doigts pour que ça soit les bonnes et qu'on ne m'ait pas donné des coordonnées fausses. Mais il y a deux personnes qui m'ont donné les mêmes. Donc, je suppose que c'est les bonnes. Nous verrons bien. Voilà, pas eu de vidéo ces 2-3 derniers jours. Je suis désolé. J'ai un peu de mal à reprendre un rythme assez régulier. Mais ça va reprendre, je pense, tranquillement. Premièrement, la semaine prochaine, je devrais avoir ma connexion. Oh, j'ai pas changé mon skin d'ailleurs. Je devrais avoir ma connexion à moi. C'est bon, je me suis pris. J'attends plus que ma box. J'attends plus que ma box. Et voilà. Alors, ça sera de la DSL, hein, ce sera pas un truc de fifou, ça sera pas de la fibre ou quoi que ce soit. Du coup, pas de live, hein, je le répète, je ferai pas de live, je ne pense pas, parce que j'aurai qu'un méga en upload, genre entre 15 et 20 mégas en ADSL normal en download, mais en upload, ça sera un peu la dèche. Donc voilà, oh, bah, ça fait pas mal de foin hein, tout ça, bloc de paille. Voilà. Donc voilà, pas de live, mais la connexion qui arrive bientôt, donc c'est plutôt cool, ça va me remettre un petit peu de bonne humeur, un peu d'aplomb, parce que là je tournais vraiment une connexion dégueu et... C'est un facteur démotivant pour les vidéos, on va dire. C'est un facteur démotivant, donc voilà. Comme ça au moins, je serai bon. Hop, donc alors j'avais dit que je faisais tous les bords. Comme si le truc était rempli. Ça, par contre, ça ne sert à rien. Ça, c'est bon. Allez, tête, tête. Je sais qu'il y en a un qui a débordé, mais c'est pas grave. On fera avec. Loupé. Enfin, voilà, ma connexion qui arrive la semaine prochaine, ainsi que la New 3DS XL Majora's Mask. Zelda Majora's Mask Edition, ça va envoyer du pâté de reblochon. Je suis plutôt impatient de la voir, c'est vrai qu'elle va être très très classe. Donc voilà. Alors là, le but c'est de remplir un peu à l'arrache. Comme si ça débordait, tout simplement. Comme si ça débordait de foin. Oh, je pense que j'en aurais peut-être assez. Je pense, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. On va déjà faire un contour propre pour éviter de tomber. Voilà. Je suis pas sûr en fait. Ça va être un peu juste. Quoique, non, c'est bon en fait. En plus, il m'en reste normalement. Il me reste 14, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Plus je me rends compte qu'en fait ma webcam elle m'éclaire la face, c'est assez horrible. J'ai la face super blanche. Bon là ça va un peu mieux, mais suivant la luminosité, il faudrait que je m'achète un spot sur le côté là pour avoir plus de lumière naturelle et pas de la lumière d'écran. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Hop, déjà on va enlever cela. Coucou. Alors prenons une petite vue de l'extérieur. Pour voir cette petite charrette, nous ne voyons même pas qu'elle déborde, mais je pense que l'intention est là. Le compte-rendu est là. Petite tour de bouse à l'ancienne. Et ben voilà, je suis plutôt satisfait. Là, ça fait un peu creux, mais. Je suis plutôt satisfait, ça fait petite charrette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, je me mettrais un bon 16-17. Un bon 16-17 en improvisation tracteur-charrette. Après. Peut-être un peu généreux, notez-moi, notez ce magnifique tracteur, soyez, pardon, j'ai encore des retoqués, mais ça en a l'habitude.
Soyez, comment dire, soyez professionnel. Notez-moi sans, notez-moi et mettez des petites impressions, comme on dit. Vraiment, pourquoi je mérite cette note-là en déco? Voilà, c'est très con comme principe, mais allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Tac, voilà. Voilà ma petite charrette, elle est finie. C'est pas mal, maintenant il restera la brouette à faire. Ça fait beaucoup de construction quand même. Mais là, comme je vous l'ai dit, nous allons aller dans le Nether. Nous allons nous équiper un petit peu. Nous allons nous équiper un petit peu. Je fais une hache en diam, c'est ça, non? Oui, c'est une hache en diam, ce que c'est. Pouf. Alors, dans le Nether, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Des blocs. J'ai plein de blocs de terre parce que je sais pas à quelles coordonnées nous allons pop. Donc ça, on s'en fout. Bande de petits cochons. Alors. Paf, nous allons faire cuire des patates pour notre bien à tous. 3, 4, 5, ok, c'est bon. Minerai, minerai, où est le coffre à minerai? Il est là. Et en dessous, nous allons faire cuire d'autres patates. 1, 2, 3, 4. J'ai un peu de pain. Alors, ça, on s'en fiche. Ça également. Les torches, on les prend. La bouffe, on la prend. Bloc de pierre, ça peut toujours servir. Un arc, très important. Voilà, c'est la même pioche, donc hop, on la laisse là. Et de la terre. De la terre, de la terre, de la terre. C'est ma terre où je m'assois. Aïe, 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 aïe. Ma rivière, l'eau que je bois. Je vais même en prendre plus. Je vais même en prendre plus. Et puis on verra bien à combien de blocs nous allons popper. Paf. Paf. En tout cas, la semaine prochaine, semaine assez sympatoche en approche qui arrive. J'ai un petit épi là. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un épi dans mes cheveux. Ah, j'ai pas d'inspiration là ce soir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le 3 janvier. Oh, j'ai 3 jours de retard. 3 janvier, à Saint-Blaise en 1314, le roi d'Angleterre, Édouard II, interdit le football dans son royaume. La réponse à cette question est le football est resté interdit en Angleterre de 1314 à 1677. Par une trentaine d'édits royaux, une des raisons de son interdiction initiale était que ce sport détournait l'attention des hommes du tir à l'arc, une nécessité en temps de guerre à l'époque. Ouais, ça se vaut. Le 4 janvier, le 4 février, pourquoi j'ai dit janvier ou février avant, je ne sais plus. Le 4 février, la Sainte Véronique. Merde. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'appeler ma mère. Bref. Oh, je suis con. Putain, en plus, c'était les. Le 4 février. C'était les 6. Oh! 6 ou 7 ans de mon chien. Oh, le coup de blast que je viens de me prendre. On est le 6 février, j'ai totalement zappé. Oh, je suis con. La banane est radioactive. Ah, je suis dégoûté. En octobre 1900. Non, pas ça. Les bananes, tout comme de nombreux produits alimentaires, présentent une radioactivité naturelle du fait du potassium 40. Du fait du potassium 40 qu'elles contiennent. 0,017% au total. Ah, je suis dégoûté. Faut que j'appelle ma mère après. Le confiseur suédois Roland Ohisson s'est fait enterrer dans un cercueil en chocolat. Le 5 février, Sainte Agathe. En octobre 1973, un confiseur suédois a été inhumé selon ses dernières volontés. Roland Ohisson de Falkenberg fut enterré dans un cercueil fabriqué entièrement en chocolat. Et le 6 février, aujourd'hui la Saint-Gaston, la carotte la plus longue du monde mesurait près de 6 mètres. D'accord. Alors, c'en est à où dans les patates? Je suis dégoûté, je suis un débile. Ok, parfait. Bon, allez, direction le Nether. Direction le Nether. Ça fait déjà 10 minutes qu'on glande. Donne-moi ça, donne-moi ça. Le Nether. Le Nether, il va falloir qu'on mette les coordonnées. Et on verra bien où on pop, hein. On verra bien où on pop. Hop, je sais plus, j'avais plus regardé les coordonnées donc. Hop. Oh, ça fait génial sur la carte, regardez. On dirait qu'il y a une petite maison en. Ah, ça fait cool, j'aime bien. Alors, comment ça se fait que j'ai les coordonnées d'affiche? Ah oui, d'accord. Alors, nous sommes en 610, 321, 87. Il faut qu'on aille en 350, 165. 350, c'est par là. 165. C'est par là. Je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Plutôt que de faire le couillon
et de risquer de tomber dans la lave et de tout perdre. Je vais faire un coffre à l'entrée du portail pour stocker mes items. Ça me paraît être une bonne idée, vous croyez pas? Qu'est-ce que j'ai du bois déjà prêt? Oui, pouf. C'est-à-dire que j'ai près de 300 blocs à faire quand même. On va prendre de masse de terre. Masse de terre, voilà. Bon, on va dire que c'est déjà pas mal. On verra bien où on en est après. J'avais un reflet violet sur ma tête, c'était beau. Donc c'est par là, si j'ai bien compris. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai... Je rêve ou j'ai un bug lumière-soleil dans les... J'ai la lumière du soleil qui bug. Voilà. C'est mieux, je ne l'ai plus. Changement de monde, changement de monde, distorsion et poisson. Ça m'a l'air d'être mieux. Alors, un petit coffre. Nous allons mettre un petit coffre. Oh, les torches, on peut les garder. Pommes de terre, on va en prendre un petit peu. Voilà, ça en laisse. Eh oh. Voilà. Bon. Nous allons aller par là. 350, 165. C'est bien ça. Ok, c'est bien ça. Hmm. 350, 165. Oh, ça va être très long. Ça va être très long. Faudrait que j'invente une chanson pendant ce temps-là. Parce que là, en plus, il va y avoir des mobs qui vont pop. 350. Oh ouais, 165. Bon! Eh bien, je crois que nous allons nous retrouver quand... Ouais, quand j'aurai fini de faire le chemin. Parce que là, ça risque de prendre une éternité. Bonjour. Ça reste de prendre une éternité. Du coup, on se retrouve quand j'ai fini le chemin. A tout de suite. Sur un petit chemin de terre, j'avance. Sur un petit chemin de terre, fait de honte et de misère, je sens que j'avance lentement, mais sûrement, vers mon objectif de printemps. Moi, ce que je voulais, c'était une firandole, une profiterole au parfum de raclette et de chaussettes, sans oublier un petit peu de tartiflette. J'avance. Je prends ma respiration, sinon j'étoufferai comme un gros con. Et ça serait un petit peu, un tout petit peu embêtant, parce que je pourrais pas finir ma vidéo. Et du coup, je chanterai pour rien, ce qui ferait de moi un petit crétin. Je n'ai plus de blocs à poser. Où en sommes-nous pu? Ça sent les bonnes. Putain, la vache, ça a l'air vachement sombre. Ce sont les bonnes coordonnées, donc il me manque encore une petite. Ouais, une petite centaine de blocs là. Waouh, ça a l'air beau. Ça a l'air vachement majestueux. Il faut que je fasse un barbecue au-dessus de ce volcan. Eh ben, je suis pas rendu. Allez, on y va! On y va, retournons chercher des blocs. Retournons chercher des blocs comme il se le doit. C'est vachement foireux, n'empêche. Hein. Je vois rien du tout. Dégage. Hop là, salut. Bonne baignade. Ouais, bah forcément, ça a popé. Je fais ça n'importe comment. Ou ça, par contre, c'est très foireux aussi.
Pardon, pardon. Où c'est vous les copains? Pardon. Oui! C'est un sacré long chemin, mine de rien. Alors, paf. Vous imaginez si je devais le sécuriser? Ouais, bah moi j'imagine pas. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, gros sac. Pousse-toi! Je peux même pas leur mettre des claques, quoi. Petite claque pédagogique. Oh là 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 là, c'est l'enfer des cochons. Ah! Au revoir, chevalier poulet! Et un KFC rôti. C'était beau ça. Ok, parfait. Oh, bon, on arrive pile poil au portail. Oh là, je sens que je vais tomber, moi. Wow! C'est la Zumba ici. Tada! Alors! Oh bah j'avais même pas enlevé mon armure, je suis con. Il me faut des blocs en plus. Il me faut des blocs en plus et nous allons aller dans la citadelle. Dans la citadelle du Nether. C'est pas une citadelle, mais. Il me faut des torches. Il me faut des torches et des barrières. Parce que sinon ils vont envahir mon espace vital. Et dans mon espace vital, des couillons sont tous rentrés. Donne-moi ça. Et donne, give it to me, give it to me, give it to me. Oh merde. Merde, merde, merde. Arrêtez, arrêtez de me rendre populaire. Oh. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pouf, pouf. Oh, je suis con, mais je suis con, sérieux. Voilà. Voilà, tiens, tu me fais des petites barrières. Bam! Bitch. Allez, pour en prendre de la pierre, on va pas s'embêter. Je pense que ça sera suffisant, mais dans le doute, on va en prendre un peu plus. Go! Go for it! Go for it, go for it, go for it. J'ai pas refait de torche, pourtant j'ai récupéré du charbon. J'en ai marre qu'on me dérange et qu'on m'envoie des smess-mess. Alors, c'est bien, ils sont retournés dans leur monde peut-être. Au revoir. Au revoir, messieurs. Alors. C'est le bordel ici. J'ai pas pris de bois pour me refaire des torches. Ah, j'ai utilisé toutes mes torches en fait. Je pensais que j'en avais laissé de côté, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il m'en faut. Il me faut absolument des torches. Donc. Donc, on va en chercher. Voilà, je vais perdre du temps, c'est génial. Je fais monter un petit peu de suspense sur cette petite île. J'avoue que pour chercher au pif, quand même, faut le faire. Ah ou! Pour chercher au pif, faut le faire. Faut pas qu'il puisse rentrer ici. Dégage, toi. Ça, ce n'est pas très malin. Voilà. Comme ça, personne ne peut rentrer. Toi, tu es mort. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Du bois pour faire des torches, pour éclairer la citadelle. Mais c'est pas une citadelle, c'est une île. C'est un îlot. Et pas un élo. Je fais de blagues, c'est pas drôle, je suis pas marrant comme mec. Idiot, va. Tac, tac, tac. Un petit stack de 64. Voilà. Parfait. Parfaitement, parfait. Paf, 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 paf. Coffre à merde, c'est pas celui-là. À chaque fois, je me fais avoir. Ok, ça non plus, c'était pas là-dedans, mais c'est pas grave. Et je vais prendre du bois en rab quand même. Parce que c'est mieux. Voilà, nous sommes parés à aller explorer le Nether. Le Nether, le Nether. On va juste éclairer un petit peu jusqu'au portail, là, parce que c'est un peu foireux. Voilà, voilà. Excuse-moi, tu peux retourner dans ton monde, s'il te plaît? Au revoir. Au revoir, j'ai dit. Salaud. Allez, téléporte-toi avec moi. Trop de précision. Bon, maintenant. Maintenant, il s'agit de courir jusqu'au bout sans tomber. Ce qui est, comment dire, très très... Oh la vache. Oh. Waouh, aïe 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 aïe, bah forcément la lumière ça les empêche pas de spawn quoi. Ah, il aurait fallu que je mette des deux. Ouais, enfin un parcours en demi-dalle. Oh là là. C'est un peu le quitte ou double quand même ce que je fais. Hein.
Parce que là, si je tombe, j'avoue que je pleure. Je dois vous avouer que je pleure très très fort. Oh non. Oh non, 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 non. En plus, je les vois pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'aurais voulu casser le chemin. Oh la vache. Oh la vache. J'ai cru que j'allais tomber. Je vous avoue que j'ai flippé ma race un petit peu. Et je parle comme un... Je suis une Kaira, moi. Je suis tellement vulgaire comme mec, de toute façon. Je ne me respecte même pas. Pardon. Pardon. Pardon, 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 pardon. Oh là, c'est pas safe du tout, quoi. Ouais, c'est vraiment foireux d'y aller, hein. Ouf, ouf, ouf. Allez, c'est parti. À ce niveau-là, on est dessus ou pas? Bon, on est dessus. On va se décaler encore un petit peu. Go, 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 Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Doudoudoudou. Allez. Voilà, quand même, ça, c'est bien. On y est presque. Nous y sommes presque, là, ça m'égoffe. Pas encore tout à fait, mais presque. Allez. Plus vite, Ernest. Pourquoi Ernest, je ne sais pas. L'épisode de Big Games numéro 2 est tourné. Il faut juste que je le monte, mais vu que j'ai joué un peu plus longtemps que pour GTA, ça me prendra un peu plus de temps. Il faut que je trouve le temps de le monter. La vidéo brute fait une heure. Fait une heure. Donc voilà, c'est un peu plus long que le premier épisode où j'avais tourné pendant 40 minutes, je crois. Même pas. Oh God. Ça n'annonce rien de bon. Bon, en soi c'est pas très dangereux, hein. Il y a que des cochons et puis il y a de la lave, faut juste faire attention. Mais c'est l'atmosphère qui est vraiment assez pesante. Une fois qu'on va être sur l'île, on va ouvrir la carte en grand, on va voir. J'espère qu'il y a des trucs à trouver parce qu'il a pas, il a pas mis de coffre ou quoi que ce soit. Ça pourrait être sympa qu'il mette des petits coffres à trouver. En tout cas, c'est plein d'obsidienne. Pratique. Par contre, là, si je frappe un cochon, mais c'est la mort, quoi. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, mais commencez pas à venir, par contre, les gars. Est-ce que j'ai mes barrières? Ah, merde, je sais pas. Oula, oula, oula. Ok, parfait. Ok, génial. Alors, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble par ici. Il n'y a pas de quartz. Oups. Wow, 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 wow. Pourquoi c'est aussi sombre au-dessus? C'est parce que j'ai pas découvert. Oh la vache, ça a l'air d'être énorme. Ça a l'air d'être énorme. Bon, bah allons-y, hein. Allons-y, allons-y. En fait, tout est éclairé par la lave. On va prendre un petit peu... Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, la map monte... On met des torches pour baliser le chemin, si je puis dire. Et encore, je sais pas si ça sert à quelque chose, vu qu'on voit pas grand chose. Hein. En même temps, les shaders dans le laser, ça n'a jamais été une très très bonne idée. Ah ouais, c'est recouvert d'obsidienne, c'est pour ça qu'on voit pas. Explorons le laser. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, puis il y a toute la lave qui coule en plus, regardez sur la map. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des espèces de tentacules. Alors, attendez, je vais essayer en enlevant les shaders. Non. Ah, mes yeux. Ah ouais, ouais, on va peut-être enlever un tout petit peu les shaders. C'est vrai que c'est beau, mais je vois rien du tout. Waouh, ça pète. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Ça rend super bien. Aouh! Ça va pas, non? Putain, mais j'ai droit dans la tronche, là. Du bois et tout. Il y a des tentacules. Et attendez, je dois faire une brochette en haut du volcan. Quelle est la taille de ce putain de volcan? Oh la vache.
On va commencer un petit peu l'ascension du volcan tranquillement, je crois. Oh my god. Ça va être tendu avec ce que j'ai comme pierre. Mais bon. Alors, c'est parti. C'est l'heure de l'escalier. Oh la vache. Non, ça c'est trop foireux ce que je fais par contre comme escalier. Le mieux c'est de faire un escalier comme ça. Tac. 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 Je suis pas du tout rassuré. Je vous avoue que là je flippe un peu. Mauvaise idée, mauvaise idée. Aïe aïe aïe. J'essaie de me faire un truc safe. Un truc plus ou moins safe quand même, parce que ça me paraît être une bonne idée. C'est très foireux. C'est très foireux, mais pourquoi pas? Je sens que la lave va me tomber sur la tronche et je vais moins faire le malin. Voilà, ça c'est mieux. Je suis concentré, hein, je parle pas beaucoup. Mais je suis désolé, j'essaie de me faire un truc... truc d'ascension, on dirait un petit spermato qui avance vers l'ovule, c'est magnifique. Aïe 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 aïe. J'ai plus assez de pierre. Je vais aller prendre de la netherrack. Oh là là. Là c'est pas safe par contre. Ce n'est point safe du tout. J'allais prendre la netherrack, je vais pas m'amuser à aller rechercher de la pierre, faut pas déconner non plus. Parce que j'ai commencé un petit peu à l'arrache quand même. Alors, on va aller péter les tentacules. Comme ça au moins. Hop, c'est là. Il y a un ghast là-bas. Oui. Au moins ça va vite, hein. Ça c'est sûr et certain, ça va vite. Ah ouais, c'est violent quand même. Voilà, parfait. Non, vous ne me... Oh oh, oh oh. Tiens! Oh oh. Eh, pourquoi... Pourquoi il prend pas des... Ah ou... Ça va te faire foutre, oui. C'est pas bon, il me reste combien de flèches? 8, je peux avoir les deux, je pense. Et là, ils sont trop hauts, par contre. Waouh, aïe 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 aïe. Ça c'est pas bien par contre ce qu'ils ont fait. Arrêtez. Oh la vache. C'était violent. C'était un peu trop violent même. Tiens, bouche ça. Tac. Voilà. Comme ça au moins. On fait pas de bêtises et on tombe pas dans la lave. On n'est pas encore à 30 minutes. Bah, techniquement sur le temps si, mais vu que j'ai dû couper un petit peu pendant que je faisais mon pont là. Mon ponton. Tac. Sécure ça. C'est quand même mieux. Voilà, là ça me convient déjà mieux. Voilà, c'est quand même plus propre. Enfin, c'est pas propre du tout, mais c'est pas grave. Au moins, ça me protège. Et je ne tombe pas dans la lave comme ça. Voilà. That's... Oh, c'est pas encore fini. Voilà, c'est quand même mieux. Hop. Un petit dernier pour la route. Voilà. Là, c'est mieux. Ça me va mieux. Ensuite. J'ai l'impression que plus ça va, plus l'ascension est raide, en fait. Je vais peut-être essayer de partir sur un autre côté. Non, 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 non. Le con ! Le con, le con, le con, le con ! Ah, le con. Quel idiot, quel idiot. Crétin, quel crétin. Ah, l'abruti. Bon. Fail, comme on dit si bien par chez nous. Fail, 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 total. Fail total. Ah, je suis dégoûté.
Bon bah tant pis pour l'escalier sécurisé. Ah, je suis bête, je savais que ça allait m'arriver. Voilà, ça va pas être sécurisé du tout. Puis tant pis. Moi j'aime prendre des risques, moi. Enfin pas trop, mais un peu quand même. Oh la vache. Petite montée en diagonale. Ouais, c'est épisode d'exploration ascension. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de l'exploration. Et là, je dois vous avouer que c'est une zone assez dangereuse. J'ai failli passer en plus. J'aurais pas pu m'échapper. Je crois que je serais mort. Et j'aurais l'air con. En même temps, il aurait fallu que je fasse des potions de résistance au feu. Il aurait fallu. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un crétin. Allez. Oula. Ah oui, c'est raide. C'est raide. Pas encore. Bon, non, on va encore 5 petites minutes. Si on peut arriver en haut. Si on peut arriver en haut avant la fin de l'épisode, je pense que vous serez content. Moi aussi, d'ailleurs. Merci. Voilà, on détruit un petit peu tout ce qui se passe. Oula. C'est de la bedrock, ça, non? Elle a cette couleur-là, maintenant, la bedrock. J'ai failli lui mettre un coup. C'est quoi? Ah, non, c'est... Des blocs de charbon! C'est génial! Plein de charbon! Oui! Du charbon à profusion! Du charbon à profusion! Ça, c'est quoi? De l'argile, ça, non? Terre cuite. Du charbon, c'est vraiment trop bien. Yeah, c'est cool, ça. Hop, give me that. C'est génial, ça. Du charbon. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance de tomber dessus par hasard, là, mais... Ça, c'est cool. C'est cool. Il y a 13 blocs de charbon. 13 x 8, je vous laisse faire le calcul. 80, 8 x 1, 104. Ça fait 104. 104 charbon, c'est génial. Et ça, c'est le pire escalier de ma vie. Waouh. J'ai tellement peur. Si je tombe, mais c'est fini, quoi. Ça en est fini de moi. Je crois qu'on va remonter un petit peu comme ça. Faut pas que je me crame le cul derrière, surtout. Ah, on arrive bientôt. On arrive bientôt au sommet. On va essayer de couper un petit peu la lave, voir si on peut. Ce con. Tiens. Et merde. J'ai eu pas peur. Si j'essaie de mettre un peu de bloc là. Ça marche ou pas? Oh, si ça marche. Si ça marche, je vous assure que là je serai plus safe quand je vais monter. Enfin, je sais que la lave c'est chiant à enlever donc. Oups. Hop. Je pense qu'il a dû mettre plein de blocs de lave quand même un peu partout donc. Je l'ai vu venir en plus cette connerie. Voilà, comme ça, ça me va mieux. J'essaie de faire un truc plus safe que ce qu'il y a là, quoi. Voilà, comme ça. Comme ça, pas bouger, pas touche, minou, miaou. Valibalou. Voilà mon escalier vers le volcan. Est-ce que ça... Ouais, ah, la lave tombe un peu quand même, hein, j'ai l'impression. Alors, ensuite, nous pouvons sûrement monter par des endroits inexplorés encore.
Cet épisode fera un peu plus de 30 minutes. Je suis désolé, je parle pas beaucoup là, je suis un peu concentré. Vous voyez comme moi que je suis dans une situation un petit peu tendue. Mais j'aimerais partir sur une vue du volcan quand même. Je vois des ghasts, c'est génial. Waouh, waouh, waouh. Sacrée vue, n'empêche. Hein. Après, on mettra les shaders en haut. Ça va être magnifique. Par contre, je suis en train de penser un peu à l'objectif de la brochette géante. Là, ça va être. Ça risque d'être complexe. Hein. Il va falloir des tonnes de grilles. Ça fera un peu l'aspect barbecue de la chose. Hop. Waouh. Waouh, 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 waouh. Putain, c'est beau. Vache. La vache. C'est beau. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. C'est beau et c'est comme ça qu'on chope la glowstone, en fait. Genre le truc super... le truc super rare à aller chercher dans les profondeurs du Nether. Je sais que j'en voulais de la glowstone, mais là, tant pis. Waouh. J'essaie de me déplacer un petit peu. Je... Bon, il est pas si grand que... Enfin, si, il est grand. Il est très grand. J'aimerais voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'ai des coups de lave. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de lave qui est générée. Hop. Bon, ça, c'est pas trop compliqué de se déplacer dessus. On est à 230 de hauteur. D'accord, tout va bien. Tout va bien. Non, on est à 74, pardon. Non? Si, si. Non, 230. Je dis pas de bêtises. On est vraiment à 230. On est à 230 de hauteur. C'est génial. Donc là, je suis de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que c'est bien chargé ou... Il y a l'air d'avoir des terres arides. Enfin, c'est pareil. C'est pareil sur tous les angles, je crois. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Bon, je crois qu'on va se quitter là pour cet épisode. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais de la lave ici. C'est foiré, ça. On va se quitter là pour cet épisode. Est-ce que j'aurais pas coupé ça par hasard? Non. On va se quitter là pour cet épisode sur ce magnifique volcan. On va mettre un petit peu les shaders pour voir. Hop. Oh putain, j'ai le mode soleil devant moi. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on s'arrête là pour l'épisode numéro 14 de l'aventure continue. Désolé, il y a l'effet de soleil chelou derrière moi. D'eau au volcan du Nether, on l'a trouvé, merci à ceux qui m'ont passé les coordonnées. On va pas s'occuper des objectifs dans le Nether tout de suite, ça va être trop compliqué. S'il faut que j'installe une grosse brochette en plein milieu, ça va être vraiment très le bordel. Je sais pas encore comment je vais faire ça, donc pour l'instant on s'en occupe pas. Je vous fais plein de bisous sur vos fesses, de carrés sur le bout du nez, j'espère que l'épisode vous a plu un peu plus long que d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Bientôt j'aurai ma connexion, le retour de Mindplex, d'Epicube, tout ça, j'espère que vous êtes impatients. Moi je suis impatient de retrouver Pompon le petit cochon et de faire plein de merde sur les serveurs parce que je suis très très doué, voilà. Plein de bisous sur vos fesses, carrés sur le bout du nez, je me répète, bisous de grand-mère, Twitter c'est dans la description si vous le souhaitez. À la prochaine, salut à tous, ciao bye.